Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes 16e de finale de la E-Liga Open. Donc j'ai pas pu vous montrer les 32e que j'avais gagné 5 à 0, mais malheureusement j'ai oublié de rec. Et du coup, ça vous fait une vidéo en moins. Mais du coup, on commence dès 16e de finale. Vous allez assister au match et je vous retrouve à la fin de toute façon pour débriefer. Donc c'est toujours avec l'AS Monaco, bien sûr, hein, j'ai pas changé de club. Et du coup, ouais, je suis arrivé jusqu'en 16e de finale et là vous allez voir ce qui va se passer. Je vous spoil pas. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo. Est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. C'est récupéré, c'est bien joué.
Donc voilà les gars, comme vous avez pu le voir, j'ai perdu 3-1. Malheureusement, j'ai mal joué les coups. Je trouve bien joué à mon adversaire, bien sûr, qui a été meilleur et qui a mieux joué les coups que moi. Vous avez vu que j'ai eu pas mal d'occasions pour revenir dans le match après le premier et le second but, comme des centres à ras de terre, une frappe de Martins qui part au-dessus du stade alors qu'il était à 1 mètre. Enfin, c'est des petits détails qui ont fait la différence. Et après, à la fin, je me suis jeté pour essayer de récupérer le ballon vite et essayer de mettre une dernière attaque. Mais malheureusement, il a bien joué le coup et il a mis le 3-1 et ça a tué le match pour moi. Donc c'est dommage, hein, mais bon, j'ai fait quand même un bon match. Je suis assez content du parcours. J'aurais pu faire mieux, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas grave, c'est déjà bien d'avoir tenté l'expérience. Pourquoi pas la retenter l'année prochaine? N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes dans votre Ligue 1 Open ou même dans votre Ligue 1 si vous regardez la vidéo, juste comme ça. Et en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et à la prochaine.